Et salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je pars sur un Wanderlock. Donc, la dernière fois, on avait commencé l'aventure, sachant qu'on ne peut pas envoyer de Pokémon directement en début d'aventure. Il faut attendre en fait d'avoir accès au PSS, et le PSS est accessible qu'une fois que Timmy a eu son Pokémon. Youpi! Donc là, j'ai juste avancé pour débloquer l'outil, et comme ça, on pourra commencer directement en envoyant. Alors j'espère avoir de la chance, mais la dernière fois, c'était un très très beau fail. Donc cette fois-ci, j'ai réussi à capturer le Pokémon de la première zone et à esquiver les dresseurs, donc ce qui va être très bien pour XP les Pokémon que je vais recevoir. Sachant que un des Pokémon, enfin, les Pokémon que je reçois, il faut qu'ils soient à peu près du même niveau que les Pokémon que j'ai déjà. Sinon, ce serait trop facile. Salut aux nouveaux arrivants. Donc un Pokémon mort, enfin un Pokémon Mikao est mort, donc je ne peux pas le réutiliser. Donc on garde toujours la règle du Nuzlocke. Je ne peux capturer que le premier Pokémon de chaque zone. Je n'utiliserai pas de CT. Donc en revanche, la seule option que je prends, c'est si je trouve un shiny, je le capture, mais je ne l'utiliserai pas forcément. Et je vais pas l'envoyer au Wanderlock. Ah Zilus, là c'est triste. Ah d'accord, moi je croyais que j'étais en attente. Pour internet et non, en fait je fais n'importe quoi. Donc, échange miracle. Coucou Dragonly. Non, en fait là je vais vraiment faire un Pokémon mort, c'est dans la boîte, hein. Je ne peux pas le réutiliser. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Déjà, Poussifeu, au revoir. Hein. Il était niveau 8, donc maximum, je peux récupérer un Pokémon avec ce level-là. La dernière fois, c'était mais vraiment épique. J'ai eu un Arco, ça allait bien, mais c'était un petit peu stall TV. Ah. Oui, le nom à la con, hein. J'ai même pas fini mes... Un Goélise. Il est niveau combien le Goélise? Ça aurait été marrant qu'il soit shiny quand même. Hein. Les personnes qui se débarrassent de leur Goélise shiny comme ça serait marrant. Alors. Bon, un Goélise, je peux tomber sur pire, hein. Bon, j'ai déjà enlevé le Mediena et... Et là, c'est le niveau 13, c'est trop. Il aurait été niveau... Enfin, il faut qu'il soit en dessous du niveau 8. 8 ou à la rigueur 9, grand maximum, mais là, non. C'est pas possible. 13, c'est trop. Sinon, ce serait pas du jeu. Sachant que le multi-exp, je le désactiverai. Mais il faut vraiment... Faut que j'y pense. Quand je le récupère. Là, c'est level 8 maxi, hein. Oh, quelqu'un des États-Unis. Dis-moi que t'as fait de l'élevage et que t'as un super truc à me donner. Ah, oh. Ah, ça, je dis pas non. Dis-moi qu'il a les egg moves. Non, pas le coin de combat, je m'en fous de ça. C'est pas le propos, je vais pas faire des combats. Alors. Là, on va rigoler. Pas mal! Il est pressé, bon, c'est pas forcément de la bonne nature.
Mais il est pas mal. Ça va, je suis contente. Sachant que mon Poussifeu était un Pokémon feu. Ça me va très bien. Maintenant, le Goélize, c'est la personne, je l'aurais bien pris, mais... Là, c'est vraiment... C'est qu'il était trop... Trop le Goélize, c'est dommage. Ah non, mais un Salamèche, je pense, je dis pas non. Salut Ima. Oui, Xana, oui, avec New Prince ici en face, honnêtement, je pensais pas avoir autant de monde. Et surtout, pas autant de monde qui regarde un Wanderlock. Salut Fifou, comment ça va? Ah! Et là, on va me redonner Aggro. Allez. Et je suis super contente. J'espère que ça ne sera pas Stol TV. Hein. Oui, c'est ça, Xana. On aurait dû parier quelque chose. Je suis sûre. En gros, avec moi, tu es sûr de parier. Attendez, je regarde juste un truc. Au cas où. Hein, sinon, après, j'annule l'échange miracle. Il n'y a pas de souci. Il est niveau 2. C'est mon aggro, quoi. Et niveau 1. Bah, parfait. Donc la zone où il y a les dresseurs, j'ai dû combattre que ceux qui étaient obligatoires. Donc là, je vais faire un petit peu d'XP. Je dirais rien sur un quart allemand, je suis pareil, donc. Un shinypot. Sachant que si, je vous dis, si un shiny, c'est le seul vraiment que je m'autoriserai à attraper. Et à garder, hein. Mais c'est une règle juste pour moi spéciale. Alors en même temps, je cherche les sprites parce que pour les mettre, autant que le premier combat se passe. Donc j'ai Salamèche et Medina. J'aime bien Medina, honnêtement. Après, c'est dommage que ce soit pas comme au Navidex d'avoir un petit truc, une câlinerie. Mais bon, je suis déjà contente, j'ai déjà un bon Salamèche. Là, honnêtement, je me sens mieux parti que la dernière fois où j'avais un Arco et un Evoli. Evoli, ça aurait pu vraiment être bien, mais voilà. Ça c'est fini en fail. Alors, hop. Mon Medina qui va remporter. Qui va enfin tuer ce petit. Et je sais, c'est mâche. Ouais, il est niveau 3. Il a level up. Ouais. Je vais quand même mettre... Non, c'est pas objet, c'est déplacer. Hop. Oui, les CC, ouais. Il faut que j'y fasse gaffe. Mais j'ai quelques potions que le gentil monsieur m'a donné. Hop. Il est un peu trop gros encore. Voilà. C'est ça. Oula, direct. Bien ça. Bon ça la mèche. Donc là je les XP juste un petit peu, je vais faire les dresseurs manière d'avoir du monde. Enfin d'avoir des Pokémon un petit peu plus niveau à peu près 5-6. J'ai peur du j'espère rugissement ça va. Donc pour ceux qui regarderaient ce Wanderlock et qui chasseraient, je vous souhaite toute la chance que je peux avoir. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin de ma chance.
pour les shiny. Prenez. Et là, je fouille dans les herbes. Et shiny quasiment dès le départ de l'aventure, ça me sera jamais arrivé quasiment. Oh, un tarsal. C'est un bon signe. Je sens que celui-ci est mieux parti que l'autre. Ah oui, mais ça n'affecte pas, je suis bête, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ça va être long. Ah, c'est moi qui l'ai. Non, j'ai rien capturé parce qu'il y a eu un Pokémon Zigus qui est apparu. Donc je ne peux pas capturer. Non, paisible, je l'ai pas entendu. En gros, j'ai capturé Mediena sur cette route là où je suis. Hein. Le rival, honnêtement, j'ai eu. Je sais pas si j'ai pas claqué des potions quand même. Là, je vous ai juste épargné la partie longue, puisque le Wonderlock ne commence qu'à partir du moment où Timmy a son tarsal. Bon, c'est bon, je peux plus. Mon truc il peut plus baisser, oui, mais mon Bélina, c'est pareil. Allez, je vais changer parce que sinon avec sa mèche, ça va pas bouger beaucoup, ça bougera plus vite avec Medina. Sachant qu'il a pas d'attaque fait, je suis tranquille. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un petit doudou V en échange miracle. Tu vas me le tuer, oui. Voilà. Ce fut laborieux. Niveau 4, parfait. Pour l'instant, tout va bien. Un Vexaton. Ça défonce le Dracorage. En fait, je vais même pouvoir m'amuser. Coucou. Je sais pas jusqu'où j'irai, mais je pense que j'irai peut-être... Enfin, j'espère plus loin que le précédent. Et pour une fois, c'est dynamique. Non, mais c'est super. Mais j'ai intérêt à faire gaffe au coup critique avec le... Deux niveaux d'un coup. Yes. Alors, hop. On va mettre le Mediena devant. Donc j'ai même pas pris les B, j'ai rien pris du tout.
Sachant que même pendant le Wonderlock, si vous voulez, un petit peu de chasse, c'est possible. Hein. Mais ça voudra dire que si j'attrape pas le Shiny, que je me fais défoncer, je perds un Pokémon gratos. Hein. Alors, il est levé. Level 4 contre level 4. Il fait mal, il fait mal. D'ailleurs, non, j'avais pas utilisé de potion, bizarre. Je crois que je vais mettre une baie orange sur le. Sur le Medina et le Salamèche au cas où. Vu que je les ai récoltés. Coup critique de pour moi, c'est bien, grondement. Ah, j'aurais dû faire ça dès le départ en fait. Et ça tue pas, grondement encore. Je suis plus rapide. J'ai même pas regardé la nature du Medina. Il y a encore un coup critique? Mais qu'est-ce qu'il me fait le... Il a été dopé ou quoi? Nirondelle. J'aurais vraiment dû booster mon truc. Ça risque de faire mal. Non, c'est bon, je le tiens. Bon, ça se passe bien. Super, honnêtement super. Alors, juste je regardais le Medina. J'ai pas vu sa nature, c'est vrai. Doux, nature neutre. Non, attaque spé. Oh, mais lui il a pas vu. Impasse Diablo, il y a ça. En fait, pour le Rangeol, il y a des Pokémon qui sont bannis, qui ne sont pas autorisés. Ou alors, si tu utilises des Pokémon, deux Pokémon avec un rang 8, ce n'est pas autorisé non plus. Et pour ça, Impasse Diablo, pour plus de précision, sur le format Jol, je te conseille de regarder les règles. Tout simplement. Alors. Toi, tu veux te battre? Non. Ouh, il fait mal. Ça va. Au moins, ça c'est réglé. Oui, Flamèche. Oui, c'est bien. T'amende bien. Est-ce que je l'ai... J'aurais dû changer
J'aurais dû mettre devant le Salamèche. Un chenipot. Ouais, une potion à la rigueur. Bon, ça me fait gaspiller une potion, mais bon. Ah, Dragonly, c'est pas c'est pas gentil d'être en ninja. Faut se signaler un peu. Allez. Niveau 7. Ah oui, je comprends le dragon. Je comprends. Alors, je vais mettre le Salamèche. Je crois qu'il y a encore un dresseur. Je m'en souviens plus trop. C'est vrai. Lui veut se battre. Non, ok. Ah, Xana, qu'est-ce qu'elle aimerait bien que ce homme s'en occupe un petit peu du petit monstre à cette heure-ci, je pense. Mais il travaille. Bon. Aigus s'avance bien. Je vais quand même voir si je peux pas acheter quelques Pokéballs. Je vais en prendre 4. Ouais, l'antidote. Allez, hop, on va faire ça comme ça. Non, pas la bête. Non, non, pas jeter. Donnez, donnez, donnez. Et allez, on peut continuer. Nouvelle zone. Juste avant, j'ai une petite vengeance. Viens ici, toi. Viens, viens, viens. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est ici que le Nuzlocke avait pris fin. Vous vous en souvenez du Granupio, hein? Là, t'auras beau faire patience, là tu vas le sentir passer. Tiens. Je l'espère pour toi, Xana. Alors, je vais changer... Ouais. Thank you.
C'est Vipère, il est... enfin, le Vipelier, c'est bien, je trouve. J'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant avec Masco. C'est dommage. Mimi, es-tu là? Je ne te vois pas écrire. Ok, je fais rien du tout. Non, moi c'est chez Nara, moi c'est en fait le... Comme j'avais un Evoli où il n'avait pas d'attaque, il avait vœu, il avait plein de choses. Et le Granipu a fait patience et au revoir mon Arco en fait. Donc j'avais plus rien pour attaquer. Cette saloperie. Voilà. Pourquoi pas. Donc la vengeance étant terminée. Il ne veut rien lui. Allez. Un petit Pokémon. Un Zigzaton. Ouais, là c'est un peu l'arme lourde. Ça va, j'ai de la chance. Alors... Ouais, j'ai 13 Pokéballs, je pense que tu vas rentrer dans une. Parfait, du premier coup. Voulez-vous renommer? Oui. Vous le sentez arriver, le pseudo. Ah, et voilà. Un autre Pokémon de capturer. Vous savez ce que ça veut dire? On va envoyer Miracle dans un monde meilleur. Où il aura de la chance. Au revoir Mimil. Qu'est-ce que nous allons avoir? Ah, j'aurais pu ramasser... Ah, j'aurais dû prendre la potion. Oh. Ah, le noceur à petit bain. Au moins, je pourrais faire vol avec... Encore quelqu'un des États-Unis. Oui, Dragon Lee, je l'ai vu trop tard, en fait. J'ai pas fait gaffe qu'il tenait quelque chose. C'est pas grave. S'il a El Bourrasque, mais c'est... Ce serait énorme. Un Flambusard, ouais. Au moins, je pourrais voler. Donc j'ai vraiment intérêt à le garder, lui. Mais c'est dommage parce que le Zigzaton c'est un super esclave. Il est niveau 3. Cœur de coq, bon. Très bien. Ah, moi ça me va. Je... Allez.
Ouais, c'est le problème de Pokémon Feu, mais Flambusard était tellement bon. Merci, je sais que ma bouille vous plaît. Vous aimez vous foutre de ma poire. J'ai toujours des mimiques à la... Toujours pour faire rigoler. Non, non. Ne me fais pas ça. Battu sous Zozio. C'est dommage que je peux pas le renommer. Hein. Mais regardez, Mimi est partie et franchement la chance c'est... Franchement je suis contente d'avoir... d'avoir eu le passe rouge. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose. Donc ça devrait être bon. De toute façon, je vais pas laisser mon pauvre le piaf prendre tout. Ah! Il est un peu grand. Voilà. Moi, je suis contente, ça fait une petite équipe sympathique. Merci Dragonly. C'est qui? C'est... non, c'est bon, le brouillard, je... Garde tes capacités, j'ai pas fait gaffe à qui c'était. Là, t'es bien. Non, mais moi, je sais pas, mais je suis très très bien. Honnêtement, ce serait tellement bien si je pouvais avoir un Pokémon, même un petit Lénéon, moi ça me plairait bien. D'avoir vraiment un CS Club. Zygus, si j'ai un Pokémon légendaire, il repart d'où il vient. Je ne m'autorise pas les légendaires. Même s'il est shiny, hein. Il n'y a que les shiny que je peux attraper moi, que je prends et que je garde. Ce serait trop facile sinon. Et en général, ils sont pas... j'imagine mal des légendaires... légites, hein, je parle. À moins, enfin, level 5. Allez. Il m'a tellement descendu mon attaque. Bon, c'est décidé, tant pis. Allez, Salamèche. Au revoir, Zigzaton. Au revoir. Oui, c'est bien. Apprenez plein d'attaques. Ça me facilitera de la vie pour tout à l'heure. Je vais quand même faire un petit tour au centre Pokémon. Et y a, parce qu'il y a des combats pas loin.
L'échange miracle, c'est sympa pour le PGL, ça c'est sûr. Ça peut permettre d'avoir des PP plus, des max repousse, des écailles cœur, et les super bonbons surtout. Ah, je joue ma bicyclette. Toi, je suis même pas, tu veux pas combattre? Oui, bon, monsieur Marco, il me dit rien du tout pour le moment. Ok, j'aurais pas dû faire ça. Ah, 2 Béorang, génial. Salut Impétueux, comment ça va? Il n'y en a aucun qui veut se battre, à part lui. Et après, ce sera nouvelle zone, génial. Renati, il y en a beaucoup qui arrivent pas. Enfin, déjà, faut enregistrer sa version. Et ensuite, bon, je vous montrerai avec le PGL tout à l'heure. Il est quand même niveau 8, quoi. Bon, je vais baisser son attaque et puis c'est tout. Non, ça va. J'ai la BO rang, donc je suis tranquille quand même. En fait, Erinati, c'est... Il va te falloir des points, enfin des Pokémiles, donc tu les as souvent en faisant des échanges miracles. Ou même si tu fais des transferts de la Pokébank. Et ensuite il y a des mini-jeux, tu peux aussi. Mais il faut synchroniser la version. En fait là c'est du petit. Enfin j'expliquerai avec le PSS. Parce que là, je suis en combat donc. Donc c'est un petit peu dur. Non, Impetus, ce n'est pas du Nuzlocke, c'est du Wonderlocke. Donc en fait, j'envoie mes. Enfin, une fois que j'ai capturé le Pokémon de le premier Pokémon de chaque zone, je l'envoie à l'échange miracle. Bon, il est gentil le Zigzaton, mais je l'aime pas. J'ai pas envie que Passerouge y passe parce que c'est un trop bon Pokémon. Bah non, je m'en fous pas qui crève. C'est la règle du Nuzlocke améliorée en Wonderlocke. C'est ça, Irenati, une fois que tu as ça synchronise. Mais il faut d'abord synchroniser ta console. Ah, c'est bien. Augmente de niveau, tu me feras plaisir. Alors en fait, pour synchroniser, tu vas dans le PSS. Deuxième écran, synchro-jeu. Donc ça, il faudra que c'est le faire en même temps que d'être sur le site. Donc en fait, c'est générer, une fois que tu es dans la synchro-jeu, tu génères ton idée pour la synchro-jeu et tu la notes ensuite dans le PGL. Impetus, et c'est pas moi, hein, si on m'a donné ça, moi je prends, hein. Nouvelle zone, nouveau Pokémon. Sur quoi vais-je tomber?
Encore un Zigzaton. Après avoir envoyé Mimille. Deux coups critiques à chaque fois. Non, pas ça. Ah, la bolle. Zigus, y a pas de soucis. Les objets, en fait, c'est que tu vas dans les mini-jeux, tu payes 100 Pokémiles et tu joues. Et à ce moment-là, tu as des mini-jeux pour avoir les objets. Ou alors, c'est dans la boutique Pokémiles. Oui, je vais lui donner un petit nom. Salut Dinoslayer, comment ça va? Alors, qu'est-ce que... En plus, ça a mal. Donc, Mimille, c'est déjà fait. Non, faut que j'efface. Une boule de poil. Non, t'inquiète pas, MPTU, non. Je voulais marquer ma boule de poil, mais c'était un petit peu trop long. Il y a des mini-jeux, oui, mais c'est dans tout ce qui est l'onglet Pokémiles. Au revoir la boule de poil. Et la légendaire, boum, ça va repartir. Bah, Béthure va repartir d'où il vient. Il va repartir lui aussi, il va être trop haut niveau. Je le sens bien. Même si une béquipant ça pourrait être vraiment pas mal. Alors. Niveau 40, mais bien sûr. Allez, repars d'où tu viens. Déjà, j'ai eu Goélise niveau 13, c'était trop haut. Franchement, la musique de l'échange miracle, j'ai l'impression d'être au téléphone et d'attendre un service client. Ou alors la musique d'ascenseur. Quoi, y a personne qui fait des échanges miracles? Ah, quand même. Allez hop. Je dirais vraiment pas non. Dites-moi qu'il est qu'il est vraiment pas au level. Euh, 4000 c'est déjà pas, c'est pas mal hein. Non. Ouais, je vais vérifier. Oh, niveau 13. Non, faut que je le renvoie. Il avait lavabo.
C'est dans ces cas-là que j'aime bien. Que j'aurais dû augmenter un peu mon Salamèche. Parce que pour deux niveaux, je perds un truc formidable. Allez. Non, j'ai pas cherché trop longtemps cette fois-ci, deux personnes, c'est bien. Bah Magikarp, je serais contente aussi, hein, parce que l'Eviator, il est bon. Ok. C'est ça, adieu sans coquille. Merci pour le follow. Niveau 15! Oh, c'est bête! Il faut que je le renvoie! Mais de rien, Erinati. Franchement, c'est vraiment bête. Je peux pas garder un love disc. Oui, vous pouvez essayer, hein. C'est-à-dire un PS Diablo, ça a duré combien de temps? Moi, ça dépend, hein, si les gens ne m'envoient pas des niveaux 1 ou en dessous du niveau 11. Bah ça va durer, hein, j'y peux rien. J'aurais très bien pu prendre le B-équipant, mais niveau 40, c'est pas du jeu. Il n'y a personne. Mais après, il existe une variante avec les Egglock. En fait, c'est au lieu d'avoir le Pokémon par Wonder Train, par l'échange miracle, c'est des personnes qui donnent des œufs. Donc ça peut être une. C'est. Ça peut être de la chance si je tombe sur quelque chose de bien, si vous voulez m'aider, ou si vous voulez vraiment me pourrir le truc, je tombe sur un truc, mais complètement. Chiant en fait. Aucun partenaire de trouver. Si c'est un shiny level 100, ben je le renvoie. Je n'ai aucun scrupule. Ce n'est pas des shiny que moi j'ai attrapé. Même un légendaire shiny, je n'en ai. Ça me fait absolument rien du tout. C'est Yena qui dirait, qui crierait non, légendaire shiny, non, faut pas, faut garder, non. C'est cruel, mais c'est comme ça. J'ai déjà renvoyé un Regigigas 6 IV Shiny level 100. Non, non, bah là c'est un Wonderlock, hein. C'est, je peux pas vous le donner. Ah. Toi, je suis sûre, t'as un petit truc sympa niveau 1. Allez. Qu'est-ce que le son m'a fait? Retour de Stol TV. Bon, là à côté ça va, j'ai une équipe qui a des attaques, donc je pense que là ça va être bon. Le retour de l'Evoli. Il est niveau 1, donc c'est bon. C'est Evoli. Il a charge, il a pas vœu, dommage. Nature hardie. Ok, la personne devait commencer. Nature neutre, bon. Je sais pas ce que je vais faire de toi, mais je le ferai.
non, c'est pas bouger, c'est déplacer carrément. Un pèse Diablo jovial. Pendant ce temps-là, je cherche le sprite de notre ami, de notre nouvel ami. Ça sert à rien en fait que je le fasse attaquer, mais je suis vraiment blonde aujourd'hui, moi. C'est pas mal, c'est surtout qu'il est bluff en fait. Moi, les miens, ils ont les 3 points élémentaires en plus. De quoi MP-tu? Il est pas suivi. Ça commence bien en fait. Vivement le badge! Je me disais que c'était bizarre. Ah, ça va être marrant. Alors on est en journée, donc normalement ça devrait faire un mentali. Mais c'est pas du jeu, c'est direct il évolue. Ok. On va le laisser faire. Ok. Ok, donc il y avait la pierre mousse dans le coin. C'est pas grave, un Philali c'est très bien aussi. J'avais pas de Pokémon plante. Par contre du coup je suis obligée de prendre la bonne image. Ouais, c'est moi, c'est. Je pensais que. Je comprenais pas pourquoi il évoluait. Là pour l'instant, ça part. Ça part plutôt pas mal. C'est vrai que Philali, c'est pas un Pokémon forcément que je joue. Donc ça peut être vraiment sympa. Donc du coup Evoli il va virer, vu que je n'ai plus Evoli. C'est bien, je cherche des images et directement remplacer. Par contre là où... Ouais mais ça peut être vraiment pas mal, mais j'espère qu'il va m'obéir, qu'il va pas faire comme le... Comme le Salamèche, parce que pour la reine, ça va être génial. Mon starter en 5G, j'aime bien Vipeliar. De toute façon, t'as un coup de main, ça me sert absolument à rien. Coucou Grid, comment ça va? Chenipote, non, on va rester ça comme ça.
Désolé Grid, j'ai pas de safari avec Evoli. Mais en 5G, les Pokémon que je préfère, c'est pas forcément les starters, c'est surtout bah, comme au-dessus le Farfadet UV, j'adore ce Pokémon. Et j'adore aussi Zoroark. Je trouve qu'ils ont les deux ont la classe. Mais moi ça va super, le Wanderlock est pas mal. Au final, j'ai de la chance cette fois-ci, je suis pas partie comme la dernière fois à Stol TV. Oh, il a eu vraiment une jolie bouille, hein. Le fil à lire. Le scout il n'a que des chenipotes. Assez marrant. Ouais, c'est. Je me disais aussi qu'il y avait un CC dans le coin. Encore un qui va pas obéir à force, je le sens bien comme il faut. Alors j'en profite, je fais un petit tour sur Twitter. Hop, rien de plus. Antipara, ça peut être sympa. Ouais, j'ai vu ça, Benito. Par contre, tu as eu un joli banignon. Oui, Dragonny, il n'y a pas de soucis hein, pour les liens. Vivement quand même le premier badge que mon équipe m'obéisse. Parce qu'il level up assez vite en fait. Voilà. Au revoir le baleignant. Alors je viens de regarder sur PokéTools et Fidelia prend une bonne attaque. Après en tranche herbe, donc je serai tranquille pour la reine roche, mais au niveau 9. Bah Benito, ça te fait un balignon et un champignon. Ça te fait la famille complète, en fait. Ah, ça t'a pas assez. Non, pas de coup critique. Ok, Dragon Lee, ça marche. À tout à l'heure. Voilà, nickel. Je vais juste. Je vais quand même lui mettre la dernière B au rang. Ah, je l'avais déjà mis. Je suis bête. Mais je suis bête. Par contre, j'ai l'impression que mon son fait vraiment n'importe quoi. C'est bien, j'ai pas rencontré de Pokémon qui m'ont. Empoisonner mon équipe. Allez, premier combat contre un sbire de la team Aqua. Non mais en fait, Filali, faut vraiment que je le garde parce que ça va être super.
vu que j'ai la team Aqua en face. J'aime bien le scientifique quand même parce que vous voyez que c'est vraiment... moi je peux pas me battre. Allez battre la gamine là-bas. Allez la molester s'il vous plaît. Mais laissez-moi tranquille. Je trouve ça super sympa. Bon, il a qu'un Medina, ça va passer. Oh, je l'ai vu, c'est pas super ça. Là, c'est dommage qu'il ait une nature neutre en fait. Mais c'est surtout avec la team magma, enfin avec la team aqua, c'est super. Merci Bentima pour le follow. Oui, c'est bon, merci. Tu files, va-t'en, c'est super. Tiens donc. Non mais je sais ce que c'est le multi-ex, tu vas pas me l'apprendre. J'en ai surtout pas besoin là. Merci de soigner mes Pokémon, c'est bien. Je crois que j'en avais pas forcément besoin de suite, mais... Voilà, désactivé. Toi, tu veux pas te battre? D'accord, tu veux pas te battre. Toi, tu veux te battre. Voilà, c'est bien. Disons qu'il y a plein de champignons shiny différents. Tu as le... Tu en as avec le soin poison, tu en as avec technicien, ça dépend vraiment ce que tu veux. Il y a plein de sets jouables. Avec, je crois, les trois talents sont plus ou moins jouables. Parce que t'as un set avec Dance Slam, le Dynamo Point, il me semble. Non, le Mac Punch. Enfin, je sais plus. Oh. Mac Punch, Canon Graine, Dance Slam, mais je sais plus quoi à côté. Moi, j'utilise le clonage avec. Enfin, le champignon avec soin poison, clonage, mitra point, canon graine et je sais plus. Et sport. Oui, toujours mettre sport sur un champignon, toujours. Ah bah oui, je veux bien que tu apprennes des troncs d'herbes. À la place d'origissement, tiens. Impeccable, j'ai mon... J'ai exactement ce qu'il faut pour le Philali. Je pense que la Reine Roche, elle va passer crème. Bon, j'ai pas coupe, je me taille. Tiens donc, ça ne vous dit rien? Alors, j'ai juste regardé au niveau de mes Pokémon. Ce
serait le Medina qui devrait XP, nouvelle zone, donc je pourrais prendre le Pokémon. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Vous remarquez, j'ai capturé, ça fera le troisième Zigzagoon. C'est, il stalke bien en fait. C'est étonnant qu'en échange miracle, j'en ai pas. Ouais Dino, c'est clair, faut le voir, mais après disons que quand on connaît l'histoire et qu'on a déjà fait le jeu, ben on se dit ah ouais. Allez. Et on va pouvoir l'échanger. Youpi! Un nouveau poké. Oui, je vais lui donner un surnom. Puisque ça, tu me l'avais demandé. Désolé, désolé. Promis, je parlerai plus doucement. Je me rappelle d'une chose, juste avant. C'est gratuit. Allez. Qu'est-ce que je vais avoir? Un Pokémon haut, le sans coquille, ce serait génial. Et toujours au niveau 11 maxi. Pas forcément, Genera, c'est ça dépend si vous voulez. Hein. Impetu, il voulait avoir. Il voulait presque. Oh, Skitty! Oh, c'est mignon ça! Ben, j'aurais voulu avoir un. Enfin, Zigzaton, c'est une super mule ACS en fait, et ça me permet d'avoir un CS-clave qui m'en. Qui ne me gêne pas du tout. Ça aurait été joli, hein? Mais non. Bye bye, le Skitty. Ok Dragonny, rentre bien, des bisous. Dites-vous qu'il y a 30 secondes de décalage à peu près. Et c'est pas évident d'avoir d'envoyer en même temps, même avec un décompte. Allez, avec un peu de chance, qu'est-ce que je vais avoir? C'est quoi ce truc? Ok.
Niveau 11, hein. J'espère que t'es niveau 12. Mais j'en doute. Et je crois que je vais me taper un doudoudou. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, grid GG pour m'avoir envoyé un superbe tout doudou que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Alors, déjà, faudrait que je cherche son image. Ah là là. Ah, c'est pas vrai, le son qui se barre. Rendez-moi mon son. Non, je veux pas, j'ai dit. Je m'en fous, je vais pas utiliser de CT, mais bon. Au pire, ça me fera toujours ça en moi à trouver. Je crois que je vais avoir des baies gratuites. Pourquoi j'ai dit oui, bla 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 bla. Mais je vais pas faire la cueillette non plus. Voilà, une baie orange, ça va très bien. L'arrosoir, ouais, youpi, je suis trop contente. Ah, laissez-moi partir. Zigus, c'est en fait c'est des carabaf. Oui, allez, vas-y. Combat-moi, toi. Pendant ce temps-là, je vais mettre l'image du doudou. Tout doudou, t'es où? Alors, le tout doudou. Taille chewing-gum. Hop. Dans ce cas-là, je sais pas si je vais y aller loin avec le tout doudou. Mais là. Il est niveau 10 quand même. Il m'a baissé ma défense. Oh non, pas Médina, non, non, saleté. Ça y est, première mort. Ça va prendre à mettre un tout doudou devant. Voilà, le tout doudou, il va venir ici. Et vous voyez le manque de respect du Salamèche, hein. Il va se prendre une charge dont il va rien comprendre. C'est ça, Dieu Médiéna. Ça c'est dommage, j'aimais bien mon Médiéna. C'est les carabaf, Zigus. Il n'y a pas de carapuce, c'est carabaf.
Ou l'armure. Ah bah enfin t'es... Voilà une attaque. Il monte, hein. Rip Mediena. Allez, pour le coup, il a le même niveau, il pourrait peut-être se défendre un petit peu. Bon, ça fait rien, c'est bien. Je sais pas, Grid, mais on va éviter des tout doudous quand même. Dors! Saloperie. Salut Bazooka, comment ça va? Est-ce que tout doudou va réussir? Et moi ça va, à part que je viens de perdre Mediena et que j'ai un tout doudou que je sais pas quoi faire avec. Salut Kimberley, comment ça va? Mais tu vas mourir, oui? Bon. On va assurer le truc. Ce serait bête de perdre un tout doudou fraîchement acquis. Ça va, ça va. Non, Zegus, on choisit pas du tout. C'est donné aléatoirement par la console. Ah, bien le passe rouge. Salut Fikfi, comment ça va? Donc les Pokémon que j'ai dans l'aventure sont au-dessus. Enfin, là-bas. Sachant que Mediena va rejoindre le Valhalla. Oui, en fait, il faut pas ramétrer la console et c'est pas forcément super si tu as, si tu veux conserver certaines choses sur la 3DS. Et c'est pas obligatoire que ça marche. Pas le poison, non. Saleté de Balignon, tu vas mourir. Salut Sushi, comment ça va? Voilà, ça c'est réglé. Ouais, tout doudou est niveau 7. Oui, vas-y, monte. Ça va bien, Sushi. Ça va. Un combat duo. Ouais.
crois que si, Filali va être pas mal. Je vais d'abord soigner. Ce serait bête de le perdre. Comme le pauvre Medina. Ok, à plus Benito. Xana, c'est en fait c'est un tuto que j'avais trouvé sur internet. Hein. Donc là je l'ai pas en tête. Oh non, encore un Inupio. Donc l'autre il va quoi me faire patience. Sushi, en fait je fais un Wonderlock. C'est une version Saphir Alpha que j'avais à côté. Celle où j'ai tous mes Pokémon, en fait elle est dans une autre console en train de marcher. Bon, ça marche au moins, l'Evolvie. Ça va pas m'emmerdouiller. En fait, ma Saphir Alpha, elle est là. Ma seconde, en fait. Ah, le décalage. Le décalage, mais c'est normal, en fait. C'est le temps que ça aille vraiment sur Twitch. Il y a 30 secondes de décalage. Après, un décalage entre le son et l'image, ça, je pourrais pas dire pourquoi. Normalement, ça devrait être bon. Alors, le Wonderlock, c'est un Nuzlocke, mais au lieu de garder les premiers Pokémon de chaque zone capturés, on les envoie à l'échange miracle. Ça donne une petite notion d'aléatoire, mais un Pokémon KO est un Pokémon mort. Et là, mon Medina a été KO. J'ai patience, l'autre en face. Croissance, ok. Donc au-dessus, il y a les Pokémon que j'ai reçus en échange miracle, ou qui ont évolué. Donc j'ai reçu un tout doudou de la part de Green. D'ailleurs, c'est super gentil parce que c'est en voulant l'XP que j'ai perdu mon petit Medina qui était vraiment sympa. Bon, ce combat duo, ça va, c'est... Elle perd son âme, en effet. Il va prendre quoi? Doux baiser? Non, mais c'est bon. Je m'en fous de ça. Ça va, c'est à part le doudou, le Filali, bah en fait, l'Evoli a évolué. Et en fait, pour la Reine Roche, c'est super. C'est juste le Medina ou Rip Medina, quoi. Il y a des baies à prendre sur le côté. Non, toi, tu me... Allez. Parce que Medina, il s'est fait mais carrément défoncer. Hein. Même pas en coup critique. Hein. Donc il y a le pêcheur, lui, allez combat et je vais au centre Pokémon. Alors pour les données du jeu, je crois que c'est au select X, un truc comme ça, hein. Me semble. Mais ça se trouve très facilement sur internet. Non, c'est le X. C'est pas le. Il me semble pas que ce soit le B ou c'est B. À moins qu'il y ait B et X en même temps. Vous noterez que je prends des risques avec le tout doudou là. Merci Genera.
Tu aurais pas reçu un bad eggs en échange miracle par hasard? Ah ouais, il faut le nerfer là, il est trop en forme le tout doudou. Non, et puis Magikarp est tellement fort là. Ouais, niveau 10, le tododo! Il va évoluer, il va plus m'écouter. Ça va être marrant. Non. Non, je vais laisser tout doudou. Tout doudou n'a pas peur du danger. Il va vaincre. En fait, Sushi, certaines personnes envoient des œufs en échange miracle. Et ce sont des bad eggs, ça veut dire des œufs qui ont été générés par Power Save ou n'importe, enfin par du hack en fait. Et ces œufs en fait font bugger les versions. Parce que ça a été mal généré. Merci Kimberley pour le follow. Donc ça peut corrompre la sauvegarde. C'est pas normal ça. Bon. Je suis sûr qu'il y a un objet dans le coin. Pourquoi Ken Bogard ne trouve pas de Shiny? C'est une bonne question. Faudrait lui. Je pense que, à moins que Mimi les maudit. Mais je pense pas, je pense que c'est juste une passe à vide. Bon, oui, c'est gentil. Je peux aller soigner mes pokés? Ok Zigus, à plus. Non non, ça va avec une clé d'oreille. Allez. Ah, pas boîte 2. Je veux juste. Regardons une dernière fois notre amie Medina. La pauvre bestiole. Je crois que là, je vais avoir une petite CS. Le scientifique, il va m'embêter tout à l'heure. Je lui donnerai la Béoran tout à l'heure. Oui, je viens tenter ma chance, oui. Blablabla. Bla bla.
C'est bien parce que cette arène, en fait, on peut esquiver tous les dresseurs. Un racaillou, j'ai peur. La fermeté, bien sûr. Vraiment une chance que finalement d'avoir Philali. Non, ça va très bien, un Philali. Celui-là n'avait pas fermeté. Dommage. Allez. Le gamin qui veut se battre. Un sur deux, ils ont fermeté, mais c'est relou. Alors, le coup critique complètement, mais inutile. Allez. Aïe. Vous venez de voir ce que j'ai vu? Ça va être dur. La première arène, elle va être dure là. Bon, le fil allié, au lieu de me tourner le dos, tu... Hein? Niveau 11, le niveau horrible. Et le racaillou qui en profite, qui fait des coups critiques à gogo. Je vais claquer toutes mes potions pour rien du tout. S'il y a un coup critique, Philali, tu l'as cherché. Ah bah de suite, ça one shot. Niveau 12, il va encore moins m'obéir. Bon. C'est là où on va rigoler. Ou pas, hein. Alors, une petite potion par ici. Allez,
Je sauvegarde même si je vais pas reprendre. Combien de morts? Allez! Est-ce que Philali va mourir? Est-ce que Philali va me faire toute l'équipe sans broncher? Et en plus, ma vitesse est baissée, donc du coup... Et je parie que le racaillou, il a... Il a fermeté, évidemment. Ouais, ça va faire mal l'équipe en face. Hein. Philali est résistant, mais derrière il y a. Furée, pas la potion quoi! Non, c'est bon, il aura pas fermeté. Je suis vraiment désolée pour toi, Sushi. C'est vraiment pas cool. Et le son qui s'en va, comme pour dire tu vas pas gagner. Oui, une vive attaque, ça pourrait être super. Si tu voulais m'obéir. Allez, fais un beau geste. Obéis. Coup critique, mais... Yeah, oui, obéis. Oui, c'est bien. Bon Philali. Si jamais tu te prends un coup critique, tu t'en prends qu'à toi-même. Rebuki. Philali n'obéit plus, donc il en faisait qu'à sa tête. Mais c'est bon. Et j'ai perdu le Mediena parce que j'ai eu un tout doudou, je voulais XP un peu. Premier badge. Et ton broche, bon je m'en fous un peu. Et je crois qu'il y a dans pas longtemps il va y avoir le combat avec le rival. Mes Pokémon m'obéissent de nouveau. Ouf. On remet le Toudoudou devant. Ah Toudoudou il a fait tout le boulot là je trouve. Bookie c'est au-dessus. Encore un mec de la team Aqua, génial. Et Mediena est mort. Malheureusement. En plus, nouvelle zone, on va pouvoir capturer un Pokémon. Salut Tifar! Comment ça va? Non, j'ai pas eu le Ponyta. Et je l'ai pas rechassé en off, je dois avouer. Le Salamèche là c'est juste c'est du Nuzlocke Challenge, hein. C'est les pourris. Hein. Salut Fikfi. Enfin re. Oh oui, j'ai compris, je vais te récupérer ton pack, mais lâche-moi. Alors. Voilà, je veux juste faire les dresseurs là.
Regardez-moi ce Pokémon trop fort, trop OP. Il donne des baffes. Non, il est normal. Grid, t'as vu, il a fait tout le travail. Ninga, non, on va quand même essayer. Mais des autres, honnêtement, de Salamèche, je sais pas si tu en as gardé des petits, Xana. Vu que tu l'avais bien tenté en shiny. Ok, j'ai compris, le tout-doudou ne fera rien du tout. Merci Flubu pour le follow. Comment ça va Flubu? Ça va, nickel, nickel. Je fais mumuse en ce moment. Ouah, tout doudou niveau 11, il va tout défoncer. Oui, photocopie, c'est super ça. Non, 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 pas berceuse. Bah, boule armure, on s'en fout. Flubu, tu es là ce soir pour du Heroes? Voilà, hop, ça c'est fait. Ok, je le dirai à Arzy. Ah, première rencontre de la zone. Qu'est-ce que ça va donner? C'est le quatrième que je croise quand même qui veut se faire capturer. Il y a un message caché là. Je suis stalkée par des Xatons. Salut Visual, comment ça va? La bof coup critique. Ça va, je galère, enfin non, je galère pas trop que ça, tant que ça aujourd'hui sur le Wonderlock. Bon, je crois qu'il est à point le Zigzaton. Le starter, oui, pour le Wonderlock, j'ai dû tout échanger. Ah, mais le Filali, pour la première arène, il était magnifique. En fait, je le fais en Wonderlock, c'est-à-dire que le Pokémon que j'ai eu, bah, je l'envoie en échange miracle, donc c'est encore plus chaud. Et heureusement, d'un côté que j'ai échangé, parce que sinon j'aurais 4 Zigzatons. Nous avons eu la boule de poil, MPTU, Mimile. Reviens. Je vais lui envoyer la boulette. Alors, j'ai eu le Salamèche.
J'ai eu le Salamèche contre le Poussifeu, il est parti. Et j'ai eu un Mediena pour un Mediena, au final. Bookie, en fait, si je chope un Pokémon qui est en dessous du level 13, je garde. Même si s'il a les 5 IV. Hein, c'est... Par contre, s'il est au-dessus, c'est-à-dire si lui est au-dessus du niveau 13, je dois le renvoyer. Bah, je sais pas. Mais je sais pas, les Limondes. Personne n'a voulu m'en envoyer. Sachant que si c'est un légendaire, c'est renvoyé direct, hein. Quel que soit le niveau. Ouais, j'ai ma mule! Ah bah c'est bien, le Zigzaton. Parfait, j'ai ma mule ACS. Ah, dommage, Xana. Enfin, j'ai ma mule ACS. Niveau 2. Gloutonnerie. Bof. T'aurais pas pu avoir un massage. C'est pas grave. C'est bien quand même. Non, faut pas que je tue ma mule à CS. Mais à la base c'était j'avais eu l'Evoli, mais comme j'étais au bois Clémenti, c'est devenu un Filali. Je suis contente. Là pour l'instant il me manque un Pokémon eau. Allez. non, en fait, c'est être au bois Clémenti, lui faire prendre un niveau. Parce qu'il y a la pierre mousse dans le coin. Matchoc. Oui, je change. Voilà. Il est en place. Non, ça me va très bien, Mookie. Il faut aller à la grotte de Grotte Tréfonds pour avoir un Givrali, donc j'aurais eu sans doute Mentali avant. Mon pauvre Filali. Heureusement qu'il voit pas ce que j'écris, Tifar. Une potion magnifique. Bon, maintenant que j'ai ma mule à CS, c'est vrai que si ça s'appelle une mule à CS, il faut en mettre à la CS. Oui, apprends, ils attendent, apprends ça. Mange. Y'a pas de soucis, prenez de la chance. Coucou? Non? Non, ça va, Noctalis c'est un bon... Enfin, vu la nature de l'Evoli, ça aurait été pas forcément le mieux, mais il est pas si pourrave que ça. Non, reviens, je file Ali.
Mais le truc c'est qu'en fait le bon Noctali Strat, c'est faut les Egg Move avec derrière. Suffit, tu perds tout. Hein. Si tu as de la musique dedans, c'est formaté. Si tu formates ta DS, tu perds tout ce qu'on avait acheté, tu perds tout ça. Toutes les mises à jour, c'est comme si tu reformatais ton PC. Tu perdrais tout. Après, si t'as rien de plus sur ta console. Par contre, si t'as la Pokébank et qu'il y avait des Pokémon dans la Pokébank, pas forcément conseillé. Non. Non mais reformater juste une comment dire une version, c'est si tu veux, si on reformate la DS, c'est la carte SD aussi hein, qu'il y a dedans. À moins d'avoir une autre carte SD. Parce que c'est il faut bien enlever ça. Oui, j'ai pas Nangal. Philali peut très bien s'en occuper. Oh, mais c'est pas possible le son qui dégage. Je fais juste un petit tour sur Twitter. Parce que normalement, juste d'effacer toutes les données et de recommencer, ça devrait marcher. C'est. Là après, c'est vrai que j'ai pas eu ce genre de problème. Donc je pourrais pas dire exactement quoi faire. Non, c'est un racaillou. Ouais, le zigzaton qui augmente. Un racaillou, non, c'est bon. Donc j'ai Philali. Fermeté, oui. Faut que je fasse gaffe à pas trop l'augmenter. Le Philali. J'aime bien l'arbuste au-dessus qui est juste inutile. Ou quasiment. Tarsal, qu'est-ce qu'il a au niveau 9? À peu près. Niveau 10. Oh!
Alors, juste à côté, je fais un petit peu de chasse. Voilà. J'ai un troll. Encore un Ocerapti. Ça va faire le 4 ou le 5e du nom. Balignon.